mouillés. Bienvenue dans le grand quiz du confinement. Aujourd'hui, c'est le dernier tour avant de passer en huitième de finale. Je le rappelle, c'est un tournoi qui oppose 32 sportifs de très haut niveau qui s'affrontent sur un quiz de culture générale. Le finaliste remportera un cadeau, il remportera du maté offert par notre partenaire Matéador Official. Le vainqueur remportera un tableau retraçant son parcours offert par Yam Kamal Hill et un abonné pourra gagner des chaussettes de sport offertes par MC Protech. Et tout de suite, on y va. Avant-dernier match du premier tour, Umut Bozok évolue à Lorient en tant que joueur de foot. Affronte Rafsou, qui est un joueur professionnel à FIFA. Ils s'affrontent tout de suite. Let's go. Par contre, Flo, j'avais une demande à faire. Ouais, c'est quoi? Est-ce que tu pourrais nous faire tes introductions en live? Ouais, de ouf. Mais... avec tes danses, là. Ouais, mais tu veux que je fasse comment? Ah, tu veux que je fasse une intro, là? Moi, je veux faire la tectonique, moi. Tu veux, tu veux que je fasse la tectonique, là? Y a pas la... Ah, attends, j'ai la musique. Bouge pas. J'en ai fait des années, hein, de la tectonique. Hein. Mais c'était pas l'intro du jour. Attends, bouge pas. T'es un salopard, hein. Putain, j'ai une coiffure, mon frère. Oh là là. Là. Vas-y, montre-nous. Ah, frère, t'imagines, il draguait des meufs comme ça? Mais attends, bougez-vous. Moi, je l'ai vu, elle. Moi, je l'ai vu, elle. C'est bon. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Du coup, c'est quoi les règles? Attends. T'as changé ou pas? T'inquiète. Bah oui, évidemment. Ah oui, t'as changé. C'est nous, t'as changé. T'as pas le droit de tenter des trucs. Deux réponses. C'est de la douille. Non, pas du tout. Non, le duel d'avant, si vous aviez regardé Luca et Arthur, ça s'est extrêmement bien passé, c'est beaucoup mieux. Regarde ça. Exactement, c'est ça. Ouais. Oh, t'es face à un pack et un couture, c'est normal. Comment c'est un Messieurs, est-ce que vous êes prêts? On est prêts. Les règles sont donc très simples. Il y a 15 questions. Soit vous savez, soit vous ne savez pas. Vous avez le droit qu'à une seule réponse, le plus rapidement possible. Si Rafsou répond et qu'il a faux, Umut, tu dois répondre le plus rapidement possible derrière. Allez. Première question. Ouais. À 15 minutes près, combien de temps met le TGV le plus rapide pour faire Paris-Marseille? 3 heures. C'est gagné. 1-0. What? Il met 3h07. 3h combien? 3h07. 3h06, non? 3h07. Putain. Voilà. Ok. C'est pour la daronne, ça. Deuxième question. Quel pilote de Formule 1 est monégasque? C'est tout, fin de la question? Comment? Fin de la question, c'est tout? Ouais. Qui est monégasque? Attends, je crois que je vais dire une bêtise. Vas-y, Rassou, dis une bêtise en premier. Les gars, ça va être fini, hein. Il y a plus de... C'est le plus rapidement possible. C'est fini. C'est Romain Grosjean, non? Non, la question est morte. Ah, j'allais dire ça en plus, j'allais dire ça. C'était Charles Leclerc. Troisième question. Qui a inventé le vaccin contre la rage? Pasteur? Oui. Bien joué. Un partout. Bien joué, Rassou. Let's go, là. Il a fait des études, ça se voit. Ah oui, mais ça se voit, je sais qu'il est intelligent. Bon, j'irai pas jusque-là. Comment s'appelle ce personnage de dessin animé qui crie Ouba Ouba? Oui, pour Rafsou. 2-1 pour Rafsou. Comment s'appellent les habitants de Madagascar? Les Malgaches. Oui, de partout. Bien joué. C'est serré. Quel est le pays le plus peuplé de l'Union Européenne? La Russie? Non! Ah non, c'est pas dans l'Union Européenne. Umut, rapidement. L'Allemagne? Oui, 3-2. Bien joué. Il est bon. C'est pas dans l'Union Européenne, merde. Bah oui, putain. Ouais. Dans quel comté se trouve Beverly Hills? Attends. J'ai pas fini la réponse. Hollywood? Non! Rapidement, Rafsou. Ouais, j'ai dit Hollywood. Miami. Non, c'était Los Angeles. Los Angeles, ah ouais. Ah, mais donc Californie, ça racontait juste. Ah ouais, je l'ai dit même, frère. Non, fallait dire Los Angeles. Ouais, fallait dire Los Angeles. Ah, ok. Putain. Huitième question, il y a toujours 3-2 pour Umut. 3-2 pour Umut. Qui a gagné le Tour de France en 2016? Froome. Oui, 4-2. Quoi? Ouh, c'est rapide. C'est le seul cycliste qu'il connaissait, on va pas se mentir. Ah ouais, la tête de Froome, c'est vrai. C'est même pas.
4-2, Ravsou, on s'accroche. Il reste encore pas mal de questions. Question de rapidité. Quelles sont les deux couleurs du drapeau ukrainien? Jaune et bleu. Oui, pour Oumout. 5-2. Il va vite. Hein. Il va vite. Dixième question. Qui interprète la chanson Skyfall dans James Bond? Adèle. Oui, 6-2. Oh là là. Ouais, il est chaud, sur ma vie, il est chaud. Ouais, gros, il a décollé. Ah, c'est trop fort, le Il creuse l'écart, il reste... Il reste 1, 2, 3, 4, 5 questions. Il y a 6-2. Donc, il faut répondre tout bon pour Afsou. Ah, putain. Quel duo de comédiens sont les personnages principaux de la Tour Montparnasse Infernale? Oui, 6-3. Oh, attends, il a dit Abdel et Ramzi. C'est un truc de ouf. Moi, je savais que c'était eux, mais je voulais attendre qu'ils disent la Tour Montparnasse. Non, il a dit Eric Ramzi. Il a dit Abdel et Ramzi. Vas-y, c'est bon, c'est bon. J'ai dit kiki. 6-3. 6-3. Capitale. Quelle est la capitale de l'Argentine? C'est gagné pour Oumout. C'est gagné pour Oumout. Pour la Daronne. Incroyable. Incroyable victoire. C'était un beau duel, hein. C'est un beau duel. Non, mais en fait, ça se voit à ça à chaque fois. Bah oui, là c'est bien. Les réponses à ça. Là. C'est question de rapidité, c'est très bien. Vous êtes très intelligents, messieurs. Mais Rafsou, tu peux aller te recoucher, jouer, tout ce que c'est tu veux. Non, hein, les frères. Normalement, il y a Nezum qui regarde en live, il peut voir que je vais pas te tricher, frère. Alors, moi, là, c'est bon. Tu passes en 8ème, Oumout, on se retrouve bientôt. Bien joué, les gars. Partout.